Salut à tous ces pêcheurs de trésors. Alors aujourd'hui on est de retour à l'Orbe, un de nos spots préférés dans Béziers. Donc Baptiste a déjà quelque chose, on attaque fort. C'est parti pour la pêche à l'aimant. Alors. Non c'est nul. C'est nul. C'est nul. Mais on attaque quand même. Bonjour ça. Oh il t'a attaché, pauvre chouchou. Allez, on va voir ce qu'il y a là-bas. Ah, un morceau de vélo. Un morceau mort. Ah, t'es bien bouffé celui-là. Ouais. Il reste pas grand-chose. Petit porte-clé. Ouais. Donc si vous avez en commentaire ce qu'est ce porte-clé. C'est un H. Étonnant la forme. Ouais. Bien, belle trouvaille. Ou boîte aux lettres. Ouais, c'est un coffre on dirait. Hein. Ouais. Joli, le coffre pour Alec. Oh. La pile. On a déjà les piles. Ouais. Vous avez sorti les piles du coffre. Bonne dépollution ça. Attends, je vais le mettre là pour pas qu'elle retombe. Ah non, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut pas ça. Des morceaux de voiture. Enfin, des lingots d'or pour Alex. Ouais, c'est un petit micro, je pense. Non, c'est pas un micro. Ouais, c'est pas un micro-ondes, c'est bon. C'est un coffre. Nickel. Attends, il est plein de bâtard. Attends, faut le lever. Attends, on continue encore un peu, s'il te plaît. Ok. Oh putain, j'ai tant qu'il s'est pas mis de wifi. Nice. Et il y a un sac avec en plus. Ah, il est fermé. Joli. Ah, il est fermé par la porte, ouais. Fermé, ah, non, ouais, il est pas fermé. Ouais. Oui, il est pas fermé, fermé. Allez, ouverture du coffre. Suspense. Security. Pas trop security du coup. Hein. Ah, peut-être qu'il est pas ouvert. Hein. Ah, si, si. Mmh, il est plein de potes. Ah, ah, il y a de la vase aussi. Attends. Le fameux tapis de coffre. Alors, tapis de coffre pour les bijoux. Ouais. Ah, bon, j'oublie direct qu'il est vide. Mais non. Là, il est blindé de vase, je l'ai dit. Il a pas été éclaté celui-là, c'est bizarre. Non. Ouais, c'est bizarre. Là, celui de la dernière fois, il y avait quand même des bijoux dedans. Ouais. C'est étonnant, ouais, t'as raison, à chaque fois qu'ils arrivent à les ouvrir comme ça. Mec, ils sont les clés, c'est les clés. Après, tu vois, au moins on prend ça, on se fait un bain de boue sur le visage. Ouais, bah alors vas-y, je te laisse faire. Bah, pas pour cette fois, le trésor. Étagère dedans, on a trouvé 10 centimes. Bah, c'est tout ce qu'il y aura. Non. Non, regarde, j'ai un boulon. Ah, voilà, quand même. Et attends, on va voir l'année. Et donc, il a été ouvert au code d'après toi? Bon, 2001. Ah. 2001. Ouais, il est pas forcé. Ouais. Ah non, il est pas forcé celui-là. D'accord. On peut pas savoir si c'est récent. 2001. Ouais. Bah attends, mais t'as gagné 10 centimes. Oh ouais, c'est le début de la richesse ça. Bah ouais. 10 centimes par 10 centimes, le nombre de coffres qu'on sort à l'année. C'est ça. Mais oui, 100%, c'est Théora là. T'as raison. Hein. Bien sûr, j'ai raison. C'est qui ce mec en fait? C'est Théora. Ouais. Oh, c'est pas grave, je prends en photo avec. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, pas grand-chose, regarde, joli petit fusil. Sympa. Une carabine. Oh, le bois, elle est vieille. Hein. Elle est très vieille, ouais. Oh, et canoncier, du coup. Hein. Ouais. Essaye de l'ouvrir. Elle est bloquée en place. Ouais. Parce que là, on sait pas si c'est chargé, donc... Bloqué, ouais. Ouais, bon, c'est bon, on laisse tomber. Jolie, hein, franchement, très belle. T'as fait quoi? Elle est d'époque, celle-là. Ça, c'est au moins. Ah oui, c'est dans l'eau, dans le plein moment ça. Plus de 10 ans dans l'eau. Ouais. Le problème, c'est que la culasse avec Kevlo. Ouais, bah là. Et ça, ouais, mais dans tout cas, la culasse est armée. Mais on sait pas s'il y a quelque chose dans la chambre. Alors, après réflexion, cette carabine ressemble énormément à la carabine en 9 mm Flaubert que l'on avait pêché lors de notre vidéo sur le Marapon. Donc voilà, c'est une carabine de calibre 9 mm Flaubert. On appelle ça aussi des carabines de jardin. Elles sont utilisées principalement pour la chasse aux oiseaux ou pour le tir récréatif, donc puisque voilà le tir en jardin. Cette carabine-là a une particularité, donc c'est qu'elle a été sciée très court. Elle a sûrement donc été utilisée pour faire des cambriolages ou même des braquages, ou enfin pour la défense d'un domicile, donc avec une personne qui aurait scié le canon pour qu'elle soit un petit peu plus maniable. Ce qu'on va faire nous, c'est que comme pour la précédente, on va les déposer au commissariat, même si elle ne permettra sûrement pas de résoudre une enquête. T'as quelque chose? Ouais. Oula, non, c'est un morceau de banc public. Ah ouais. un pied de banc. Et un bout de vélo. Bah c'est bon, ça fait du pont en ferraille tout ça. Ok. Peut-être qu'en fait on a tout le banc public qui est là. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que là c'est lourd aussi. Hein. Ouais, c'est dangereux. Ouais, on dirait, oui. Ouais, l'autre. Bah ouais, je prends tellement vite. Bah le bois tu l'auras pas, hein. Tu vas fabriquer un banc. Ah, il doit. Ah, une pince, ouais. Ouais, pas mal. Il dort. T'es con. Laisse-le redescendre encore. Le troisième? Il est au fond. Non. Laisse-le redescendre. On sait pas encore. Vas-y. Non, c'est pas un coffre, mais. Ah. Un peu de. C'est quoi ça? Une bobine de fil. Okay. Ouais, pas de cuivre, non. Du coup, si c'est vanté. Non, ça, c'est non. Les fils de fer, ça. Ça, c'est droit pour le ferrailleur. Là, t'as du poids. Mais ouais, y a du poids.
Belle prise. Vous savez combien il va bah. Oh non, c'est un morceau de bagnole. Morceau de bagnole, ouais. Oh là là, bon ben ça y est, le coffre sera bien rempli, c'est sûr. Bravo, belle pêche. Et une cuillère en plus. Ouais, celle-là, elle est bien, elle est restaurable. Pour boire la soupe ce soir. Bon Baptiste, tu pêches face à Théora. Non mais les gars, c'est Théora, ouais, c'est super drôle. Ouais. Théora qui forme quelqu'un, on dirait. Ouais, ouais, il est là. Vas-y, je suis là. Il est prof. On lui fait coucou. On va l'appeler. Vas-y. Salut Thé. Salut. Oh, oh putain. C'est quoi? Un vase? C'est un vase de sépulture. C'est vrai que dedans, pour moi, ça me fait penser à des fausses plantes. Ah, est trop. Ouais. Ouais. Oh, c'est un vase. Tiens, bah, après, il est rempli. Ah, non, bah vas-y, moi je vais. Tu vas être un gros. Tiens. Bravo, vas-y. Attends. Je vais remettre la coupe du meilleur pêcheur de la journée à Alex. Ouais, Alex, t'as gagné la coupe. Ouais. Une coupe. Tiens. Une coupe en fonte, ouais. Ouais, c'est en fonte. Mais elle est lourde. Ouais, bah j'ai pas les gants là, mais. Ouais. Oh, belle, franchement, à nettoyer. Hein. Bah, bon courage. Il y a du béton dedans. Du béton. C'est étonnant. Hein. Si ouais. Vous savez ce que c'est en commentaire, les gars. Ah, j'ai quelque chose. Et une serrure de porte. Regardez comme il est sympa ce petit marteau là. Ouais, c'est bizarre. Hein. Avec l'arrière pointu là. Tu vois, on dirait qu'il est lamé. Tu vois, c'est une lame. Ah ouais. Il est bien lisse. Ouais, c'est étonnant. Si vous savez en commentaire ce que ça peut être. Mais ouais. Ouais, peut-être un truc de cambrioleur. Arrête, Rasta, de me suivre. Waouh! C'est de toute beauté. Ça, tu peux l'accrocher dans ta chambre. Ça fait un bon souvenir. Ouais, dans votre chambre. Tu vois, il est d'accord. Bon, on range et c'est la fin de vidéo. Non, on l'a fait après la fin de vidéo qu'on a rangé, non? Non, là, c'est trop court comme vidéo. On va de l'autre côté du fleuve et on complète celle-là. Ah, c'est quoi ça? C'est rétroviseur? Ah, mais intérieur. Oui, oui, c'est pour ça, c'est pas mal ça. C'est comme le mien qui fait que tomber là. Non, mais regarde, ah, c'est un rétroviseur aquarium. Ah, oui, c'est ça. Tu peux mettre un petit poisson rouge à l'intérieur. Bah, ouais, clairement. Peut-être qu'il y en a déjà même. Ah, je vois pas. Et là, regarde, j'ai trouvé un bout de club de golf. Un peu tard. Pas sûr. Et ça, c'est quoi ça? C'est surtout ça. Non, ça c'est hydraulique, ouais, c'est ouais. Un vérin, ouais. Un beau chargeur. Je vais peut-être essayer de nettoyer pour voir le calibre. Mais je pense pas que ce soit blanc parce qu'on voit qu'il y a une balle hein, au bout. Ouais, mais c'est peut-être dans la grenaille. Ouais, peut-être. En tout cas, il est vieux. Après, on a fait un morceau de rétroviseur. Ça, on sait pas ce que c'est, sûrement un morceau de voiture. Et il y avait une batterie externe aussi. Donc là, petite trouvaille, au début, on pensait à un morceau de voiture. Mais surprise, c'est une chicha, objet emblématique de Béziers. Robert Ménard adore. Ah oui, c'est vrai, c'est à l'envers. Ouais, c'est en cuivre avec de la ferraille qui s'est accrochée tout autour. Celle-là, elle est là depuis longtemps. Truc de treuil, non? Ouais, le touré. Ouais. Il est plein comme un œuf. Non, ça va, on a vu pire. Ah, il y a un leurre, je crois. Enfin, quelque chose d'intéressant. Et regarde, il est beau en plus. Fais-moi ça. Ah ouais. Ouais, ouais, il est bon. Hein. Ouais, il est beau. Ah, il est vivant. Il est vivant. Nice. Ça, c'est cool. Ah, si. Ouais, c'est quoi ça? Une mine? Non. Ouais. Ouais, fais doucement quand même. Ça me paraît énorme, c'est léger. Non, c'est trop léger. Trop petit. Ou alors, c'est pas de l'anti-char et tu vas te péter que les bras. Bon, s'il y en a qui savent ce que c'est. On dirait ça comme un mixeur, tu sais, les hélices qui découpent. A chaque fois il veut pas se baigner et là il va tout seul dans l'eau glaciale. J'ai un téléphone. Oh mais c'est bon là. Ouais. Ouais, ça va, ça commence. C'est quoi ça? On dirait un téléphone. Ah oui. Ici il y a plein de trucs non identifiables. Arrête. Putain, arrête, tu veux me salir. Non. Ouais, faut dire non, il comprend. J'attends qu'il y en ait une qui tombe pour les repêcher. Ouais. Ah si, des rails par contre, il va y en avoir. Je prends la dernière là, la petite rouge. Allez. Ah ouais, c'est en haut là. Ouais, elle est sympa. Hein. Ouais. Petite balle à blanc.
Ah ouais. Sûrement de 9 mm. Eh oui, ça ressemble, oui. Sympa. Donc ça, c'est pour pistolet de défense. Ouais, pistolet. Ouais. Bon, c'est bizarre de jeter ça d'ailleurs. Oui, oui, c'est bon. Donc là, j'ai pas filmé, super trouvaille. C'est un boulet. Ah, ça, c'est un boulet. On le sent au poids. Je nettoierai. Oh, c'est quoi ça? Regarde ce qu'il y a au bout. C'est un micro, non? Un micro pour enfants. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. Pas mal. Tu nous fais une petite chanson? On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin.